Bonjour les outils. Bienvenidos, bienvenue à l'atelier pour Apprends avec Mani. Je suis Mani et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un martillo, un marteau. Viens apprends avec Mani. Ce qu'il faut faire, on vous le dit. Arracher un clou, serrer en tournant, réparer un vélo, construire un banc. Viens apprends avec Mani. Qui peut me dire quel outil doit être utilisé pour fixer deux morceaux de bois l'un avec l'autre? Oh, un marteau, je peux le faire, moi. Tu as raison, Marty. Un martillo, un marteau, s'utilise pour enfoncer des clous dans le bois. Le clou est enfoncé au marteau dans un des morceaux de bois, puis ensuite dans l'autre, ce qui permet aux deux morceaux de bois d'être fixés ensemble. Montre-leur, Marty. D'accord. Oh, pardon. Désolé, Mani. Le dernier clou s'est tordu. No te preocupes, Marty. Ne t'inquiète pas. C'est le moment idéal pour montrer à tout le monde quoi faire quand ça arrive. Alors, qui sait quel outil on doit utiliser pour retirer un clou d'un morceau de bois? Oh, je crois que c'est un travail pour moi. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, peut-être que je peux l'aspirer. Ah, désolé. Tout ce que j'ai attrapé, c'est... C'est de la sciure. C'était pourtant bien essayé. Mais le meilleur outil pour enlever quelque chose est souvent celui qui a mis le clou en place. Oui, on devrait reprendre l'outil qui a enfoncé le clou ici. Où est l'outil qui a... Hé, cet outil, c'est moi. C'est exact, Marty. Un marteau, un martillo, ne sert pas seulement à enfoncer les clous. Il peut aussi les retirer. Bien sûr, et pour faire ça, je vais utiliser mes griffes. Parfait, Marty. Et maintenant, tu devrais planter le dernier clou dans la boîte à jouets. Oui, pas de problème, Mani. Vous voyez, les amis, pour planter correctement un clou, il faut frapper sur sa tête. Cette partie plate au sommet du clou s'appelle la tête. Oui, et c'est facile de manquer son coup et de plier le clou par accident si on tape pas bien. Il faut faire très attention. Quelquefois, je suis sur le point de frapper un clou et je commence à penser à autre chose, comme à de la crème glacée ou à des petits chiens. J'adore les petits chiens. Marty? Oh oui, Mani. Tu crois que tu peux finir ton travail? Bien sûr que oui, je suis un marteau. Youpi, merci. Oh, merci, merci. Oh, désolé, j'ai pas fait attention. On apprend.